Rafael Nadal n'a plus joué le moindre match officiel depuis l'Open d'Australie et son élimination au deuxième tour par l'Américain Mackenzie McDonald en 3-7, 6-4, 6-4, 7-5. Quand reverra-t-on le taureau de Manacor sur le circuit ATP? Rafa va bien, il se rétablit. Si tout va bien, il veut revenir sur les cours pour l'Open d'Australie en 2024. A annoncé son oncle, Tony Nadal, aux médias espagnols El Desmarques de Cuatro. L'année prochaine sera celle de son retour mais aussi très probablement celle de sa retraite. Il y a de fortes chances que 2024 soit ma dernière année. Mais je reste ouvert à tout ce que l'avenir peut me réserver. Je ne sais pas où je veux jouer mon dernier match de tennis parce que je ne sais pas où je pourrai le jouer, ni quand je pourrai le jouer. A expliqué le champion espagnol dans un long entretien accordé lundi soir à la chaîne espagnole Movistar. L'homme aux 22 titres du Grand Chelem semble avoir déjà renoncé à l'idée d'en décrocher un 23e. Et l'idée n'est pas de revenir pour gagner Roland-Garros ou l'Open d'Australie. Que les gens ne soient pas surpris, tout cela est bien loin, je suis conscient des difficultés que je rencontre. A souligné le tennisman de 37 ans, qui ne rejoindra donc probablement jamais son rival Novak Djokovic au niveau du palmarès.